le moment où on joue la musique. Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode pour la suite de... Oula. Merci Nvidia, c'est génial, j'entends même plus la cloche. Pour la suite donc sur Sea of Thieves, toujours accompagné de Bob, salut Bob. Salut. Wow, tu nous en mets trop loin. Allez, salut, ouais. Rapproche-nous surtout en fait. Je sais pas, mais d'un bord de plage, un côté accessible, hein, parce que là, t'as que des roches, et des roches. Hein. Moi, je suis un connard, j'ai plongé parce que je suis un connard en fait. Mais Ouais, je pense que c'est ça. Bon, il y avait rien par là. Allez. Petit îlot suivant. Ok, donc là, requête capitaine, et puis, je pense qu'on va aller vendre, j'ai marqué déjà un autre emplacement pour aller vendre les 4 crânes, parce que bon, 4 crânes ça a de la valeur, et surtout quand c'est juste à côté, alors pour le dernier, il faut qu'on traverse, mais l'univers, quoi. Il a été bizarrement pensé, décidément, ce jeu. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ils ont pensé casu, donc facile sur certains points, mais d'un autre côté, faut farmer, et puis il faut prendre beaucoup de temps dans le jeu. Un peu comme un mébo quoi. Il y aura moins de quêtes, ça prend une éternité. Faut farmer quoi. Pourquoi j'entends une musique de combat? T'as engagé des gens? Pas du tout. Ok. Il y avait un cochon. Ah, j'ai une musique de combat aussi. Il y a un baril ici. Vas-y, récupère. Moi j'ai récupéré un cochon doré. C'est classe ou pas? Est-ce que c'est pas ultra classe? On aime les cochons. Surtout doré. Ouais, mais va falloir nourrir et tout. Tu ah, t'es relou. C'est Capitaine Jean Bonneau. Le retour. Le Capitaine Jean Bonneau. Putain, mais tu t'es stationné où? Dis donc. T'es en épi, t'es en bataille. Comment ça se passe? C'est le type de stationnement en voiture. Ouais, je sais, merci. Ouais, non, mais genre, bon, on sait pas. T'es garé où, bordel de merde? Je suis en train de faire tout le tour de l'île, je trouve pas ton batal. Ah, musique de combat again. Mais merde, tu t'es garé où? Autour. Waouh, youpi. Est-ce que tu peux me donner une direction, s'il te plaît? Est, sud-ouest, non. Machin. D'accord. Je ne peux pas. Je t'entends en train de taper des gens. Moi j'ai fait tout le tour de l'île 15 fois là. Je suis fatigué. Bah fais-le 20 fois. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Parce que le bateau est quand même au bord de l'eau quoi. Mais il y avait un caillou qui le cache en fait. Il est à moitié caché par un caillou. Ah. Donc du coup, quand tu passes un peu vite, tu le vois pas. Ah ouais, d'accord. Hashtag Concorde. Hashtag Concorde. Hein? Pourquoi pas, hein. Tu passes trop vite. Ah d'accord, lol. Oh, elle était superbe. Elle était spirituelle, hein. Franchement j'avoue. Désolé, je l'ai pas comprise. Je pense que c'est un peu de ma faute. Hein. Bon, on va mettre Gruik Gruik sur le pont. Hein. Capitaine, hop. Voilà, monsieur le capitaine. Je reviens de la mort. Tiens, mange-toi une petite banane, mon gros. Ça y est, il va y en avoir que pour son cochon. Oui. Pour mon cochon et personne d'autre. Bon, par contre, il y avait des méchants à taper à ce qui paraît. Ouais, c'est ceux qui m'ont tué en plus. Ils sont pas très loin, hein, non, c'est ça. Fait rendre ma part. On perd son stuff quand on est mort. Le mec, il sait toujours pas ça dans le jeu. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Si. Ils sont par là. Je te poursuis. Je connais un passage. Ah, il y a un baril. Là-bas. Il y a un baril de ses morts. Là-bas. Oh bah fais gaffe. Fais gaffe, il y a un serpent juste au milieu. Bon, tu gères. Tire. Une balance.
dois te faire un deck. Fais gaffe, il y a un deck. Prends tout de suite le baril et barre-toi avec. Vite. Let's go. Vite avant qu'il nous le tire dessus, qu'il le fasse exploser. Je ne me retournerai pas. Ah, je ne te retourne jamais. Si tu te retournes, c'est les barils et c'est le baril qui prend le dégât. Donc ne te retourne pas. Comme ça, je bug. Ouais, je m'en doute. Ah, cochon noir. C'est le problème dans ce jeu, c'est dès que je croise un PNJ, le jeu se met à ramer comme jamais. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de serpents ici. Ah, trop bien, tu sautes constamment dans le jeu. C'est trop bien, c'est rigolo. Comment ça? Ah, tu glitchais sur le sol, c'était rigolo. Ah, d'accord. Comme si tu ricochais. Oh, ça fait plaisir. C'est très fun. Je me sens pas du tout dans un autre univers. Ah, pas du tout. Non, je pense que c'est bien. Ah oui, c'est bien rangé. Ah, c'est bien, on peut ranger les crânes, c'est trop cool. Bon, allez, go. Du coup, c'était le baril que t'avais repéré ou c'était un nouveau baril? C'est un nouveau baril, ça fait deux barils là. Oh, nice. Excusez-moi les petits serpents, hein. On devrait vous jouer de la musique, hein. Vu le nombre de fois qu'on vous passe à côté, j'avoue, on est un peu vache là-dessus. Ah, là, il y a même un drôle, quoi. Trop bien. Les serpents sous-marins. Ouais, et ils font des bulles quand ils sont sous. C'est rigolo. Hop là. Ah, d'accord. Je me fais... Ah, formidable. Bonjour, capitaine. Genre, les squelettes, ils esquivent maintenant. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. On aura tout vu, hein. Pas par là, c'est... Oh là là, je me bats en 3 FPS, c'est génial. Je sais où t'es, en plus. Bah, là où il y a les capitaines, quoi. Ouais, ok, c'est bien. Bah là où t'as récupéré ton baril. Non mais lol, l'autre, c'est toi qui savais où ils étaient, quoi. Et tu viens me poser la question de où je suis, quoi. Non mais la blague. T'es où? Non mais là où il y a ton baril. Mais t'es où? Bah là où il y a ton baril. Mais oh, il y a une autre case à cochon. Non, il y a une autre cage à cochon. Oh, je vais prendre la cage à cochon, je suis obligé. Hein. Je vais chercher un autre cochon doré. Ouais, je suis déjà en train de te saouler, ouais. Alors que j'ai pas encore récupéré le deuxième cochon. Tout à fait, complètement d'accord avec toi. Banane. T'as pris la cage à cochon, espèce de connard. Rends-moi ça. Rends-la, prends le crâne plutôt. Je vais mourir avec. Le crâne. Mourir avec. Oh putain, mais en plus il y a deux capitaines, c'est pas le moment, mec. Je vais mourir c'est avec. C'est pas le moment. Il y a deux capitaines là, hein. Oh, ils sont stylés. Ah, hein. Ouais, bah, oh, moi je veux des uniformes de capitaine. Hein. Grave. Je veux avoir la malédiction comme ça. Là. Pas forcément être un crâne pourri, mais le espèce de manteau qu'il a là, un peu l'ancêtre du cache-poussière, je dirais. Ok, c'est bon. Que j'ai. Attention, il y a un serpent très près. Allez, maniaqué. Allez, je vois flou. Oh, ouais. Ça fait beaucoup de crânes à ramener. Hein. Par contre, je vais tout de suite me caler une petite balle. Hein. tu t'occupes de trouver un cochon doré? Du coup. Un doré, hein, c'est ce qui vaut du pognon. Non, comme tu le sens. Bon bah vas-y, je te laisse donc le crâne, je vais me chercher un cochon doré. Attends, ouais, non, mais le bateau là. Bah ouais, après bon, on n'est pas très loin non plus, hein. Ça va. Hein. Ça va, ça va. Donc ouais, c'est là que j'avais croisé un cochon doré et il y avait un autre cochon doré. Je vais perdre. Cochon. Oh, il y a un raccourci par là. N'oublie pas de nourrir le gruy-gruy. Non. S'il meurt, tu sais, je vais te faire chier, je vais reprendre la cage et je vais aller en chercher un autre. Vas-y, là. Il peut monter, il peut le faire. En fait, on peut passer par la mer. J'avais vu d'autres gruic-gruic. Ah, bah oui, on peut passer par là. Ce serait... Je vais rapprocher le bateau, on va. Petit demi-tour, c'est fini. Oh, ça, c'est un noir. Il y avait un autre doré, quoi. Il est où mon cochon doré là? Oh là là! Oh, mec, y'a un coffre de capitaine! Il me fait chier ces cochons, la con! En plus, il l'a mis juste à côté de la barre! Vas-y! Mais oui, mais c'est pour le nourrir! Plus facilement, comme ça, quand il queen, tu sais qu'il est juste à côté! Même moi, j'ai mec, pas de une fois que t'as fini de ramasser tes crânes, je veux bien que tu me rejoignes! Je prends des bananes. Je crois qu'il vient de crever par contre, ton cochon. T'es pas sérieux? Ou alors quelqu'un l'a nourri, mais. Mais nourris-le? Il vient de mourir. Ah non, bah il est mort. Sérieux? Ah ouais. Putain, t'es pas drôle, mec, t'as fait exprès. Mais pas du tout. Je suis arrivé, il criait, le temps que je prenne une banane, il y avait plus de cri.
Ok, voilà. Ainsi va la vie de cochon. Bon bah tu peux ramener la cage. Hein. Putain. Bon ouais bah je te laisse récupérer ton crâne, bah tu ramèneras la cage, je récupérerai l'autre cochon. Je vais chercher le coffre de capitaine. Good. Ah putain, y'a même un baril de poule là où je suis. C'est pas triste hein, c'est qu'un cochon. On est vraiment un connard. C'était un super pixel de cochon. Ah mais non, mais y'a pas un coffre quoi. Ah y'a 12. Ah ouais, non mais je te jure. Alors ça, y'a ça à prendre. Non mais le jeu est en train de nous gaver mais comme des porcs. Hein. Je t'explique. Hein. Vas-y, bon, on va tout perdre. Sûr. Bah... Moi je te aurais bien dit oui, mais sauf qu'on a réussi à prouver qu'on était capable de garder notre stuff. Donc Oui, bien sûr qu'on est capable. Ok. Bon bah j'ai deux coffres, un baril de poudre, tout ça, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Alors je suis à crâne pour l'instant. Alors, j'ai encore un autre baril de poudre ici. Après j'en serai à cage. Il faut que je remonte jusque toi. Putain, il y a 1 million de trucs. 1 million de trucs. Bon bah, je commence l'ascension. Hein. Du coup, j'essaye de tramer ça le plus haut possible. On va se faire une petite chaîne de l'amitié pour essayer de ramener tout ça à bon port. Alors, on arrive où quand on est ici? On arrive genre là. Et là, c'est quelque part sur la map. Intéressant. Intéressant. Grigorik. Ça va être plus haut le Grigorik. Alors, c'est quelque chose qu'il faut prendre de préférence. Les dorés. Et si jamais tu n'en trouves pas, ça sera plutôt les cochons noirs. Okay. Là, il y a un cochon noir, là où je suis. Doré et blanc, genre? Ouais, c'est ça. Ils sont dorés et blancs. C'est exactement ça. Bon, il y a un cochon là où je suis. Parti, le gros. Mais t'embête pas, on finira par les cochons. Hein, parce que là, il y a encore des barils, la récup, tout ça, donc... autant récupérer les cochons en dernier, ça nous évite d'avoir à les nourrir. Ah, les serpents, ils aggro les cochons quand on a un dans les mains. Ouais, bah oui, oui. Ah bah il va crever le cochon. Ouh. Ah ouais, il se sent pas bien. Il est pas mal. Essaye de lui filer une banane au cœur. Ok, LM. Cochon. Il faut que tu prennes la banane dans les mains et tu lui donnes. Allez. Casse-toi le skeu là! Bon, moi je crois que je vais sauter en bas. Le cochon, bâtard! C'est trop long à mon goût. Je saute. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Plus rapide comme ça. Mange encore le cochon. Voilà, ce sera meilleur, un peu plus gras. Cochon. T'as combien de trucs à ramener toi? 4. Oh putain. Allez, j'arrive. 2 barils. Un coffre de capitaine. Un coffre de marauder. Je suis. Alors, que je te donne ça. D'ailleurs, il y a un cochon doré qui m'est passé sous le nez. Il faudrait que tu mettes le bateau en sud-est. Ah bah, ben, remarque. On est en bordure. Ah bah non, je suis pas très loin. Oh, ouais, ouais. Pour toi, en fait, quand t'es sur le batal. Attends, c'est quoi que je vois? C'est le front, c'est le cul? Je sais pas. Alors attends, je vais monter un peu plus haut. Je crois que je suis derrière toi en fait. Je suis en nord. Tu prends la direction nord quand t'es à pied. Comme si tu voulais tomber dans l'espèce de ravin qu'il y a au centre, mais côté nord. T'évites de tomber dedans. Et il y a un autre cochon doré là, mais mes pieds dans le coin, si jamais ça t'intéresse. Voilà. Je vais plutôt venir chercher ce que t'as là.
Ouais, y a de tout. Hein. Mais ramène une cache si jamais t'as une cache de libre, comme ça je le capture et je le ramène. Enfin, je le capture dès que j'ai un moment, quoi. Ouais, le coffre de maraudeur. Bon bah ça paye, hein. Ça paye, ça paye. C'est du tout, hein. Nord, faut vraiment suivre la roche, en fait. Là, si je parle dans le jeu... Ah merde, non, il faudrait que je parle dans le jeu, attends. C'est ça. Voilà, là, je parle dans le jeu. Si tu m'entends en double, tu t'approches de ma voix. Je vais essayer d'approcher de toi par le chemin. Le chemin qui va bien. Ah, bah, tu sais là où on a affronté les capitaines. Quand tu montes, quand tu viens depuis le bateau, nous, on prenait à gauche pour aller taper les capitaines. Là où il y a la boîte de munitions, bah, tu prends à droite. Ok. Ah, c'est juste ça. En fait, on est à côté, ça va. C'est cool. Je vais aller ça plus loin. Bonjour, monsieur. Du coup, t'as réussi à choper les deux cochons ou pas? Ça se passe comment? Non. Mais le premier doit mourir, je pense, ça, du coup. Ah, il est en train de mourir de faim? Ah, et tu l'as laissé, ok. Je sais pas. Hein, donc, il est sur le bord de la plage. Ah bah oui, bah tu l'as tué, tu l'as posé à côté d'un serpent, il est mort. Il s'est fait éclater. Le serpent s'est rapproché. Ah oui, il était pas là. Bah oui. Le serpent, il se balade un peu. Il lui a dit qu'est sa race. Il l'a vu, il l'a niaqué direct. Il s'est même pas posé de questions. Il a fait quoi, toi, t'es capitaine? Nique ta race, sergent Côte de Port. Paf, il l'a niqué. Fin de l'histoire. Évite de poser le stuff le moins... Pose le stuff le moins proche possible du serpent, s'il te plaît. Je te sens un peu taquin. Je te sens un peu taquin. Voilà. Ouais. Si, un peu quand même. Bon bah... Je suis petit. Allez, je te laisse te débrouiller, je vais chercher un code de port là. Je vais chercher le fameux doré que j'ai vu. Oui, oui, oui. Tiens, je fais rien, je suis en prison. Pipe et jambes de bois. Mais il ne reste déjà plus qu'un tonneau à ramener, c'est cool. Alors, où est le doré? Cochon. Je trouve pas mon gric-gric doré là. J'ai revu le noir encore là, mais le doré, je sais pas ce qu'il est passé. Je l'ai vu sur la plage. C'est encore un noir. Chope un gric. Bah vas-y, chope de préférence. Bon, sinon j'ai du noir après. Bon. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Mais... Non, mais genre. Genre quoi? Genre, le jeu il a dit t'es mort, c'est tout. Pourquoi? À cause de quoi? Je t'ai entendu tirer. Bah, je sais pas, je me suis retrouvé entre deux squelettes. Dans l'eau, ça glitch à moitié, je sais pas trop. Voilà. D'accord. Cool. Est-ce que tu sens que tu t'es fait arnaquer un petit peu ou pas? Non, ça va, je vis bien. Hein. C'est le plus important, je le dirais. Voilà. Putain, et maintenant, je cherche un cochon de nuit. Youpi. Youpi. Fun en approche dans 3, 2, 1. Non, là, je plaisante pas du tout. Faux. Excusez-moi, jeune homme, je passe à côté de vous. Non, ah, j'ai croisé un cochon en première vue, je pouvais le choper. Le problème, c'est que je sais pas quel couleur. Maillot. Oui, des chips. À la maillot. Non, à la béarnaise, monsieur. Excellent, à la béarnaise. Maillot. Non, mais c'est un tacheté noir, ça, c'est pas dingue. C'est pas dingue, ça. T'as raison, fuis, lâche. Bon bah merde, un cochon c'est un cochon. Il est suivi par deux que fais gaffe. Ils m'ont pas encore aggro. Ah mais se battre dans l'eau c'est mauvaise idée en jeu. Vraiment. En fait je crois que c'est ça délire.
Wow. Bon. Ou alors c'est Steam qui a relancé le téléchargement. Ah, c'est possible. C'est hein. Ah, moi, c'est pour ça que j'ai fermé Steam. Hein. Bah oui, mais vu qu'ils communiquent pas entre les deux logiciels. Non, c'est bon. Et que chacun essaye de vivre sa vie sur l'autre. Oui, non, ça va. Des courses. Des petits problèmes. C'est ce qu'on disait, super bien. J'avais oublié la lanterne. Bien. C'est bon. On a deux gruic-gruic. Bon, on a ceux qui valent les moins chers. Oh. C'est dommage. C'est dommage parce que sinon on avait deux dorés, donc on perd du pognon et de l'influence auprès des marchands. Puis, bah, c'est bon, hein, trop tard, on peut y aller. Hein. Allez. Détends-toi quand même. Hein. Non, mais si t'as récupéré le loot, bien sûr. Si t'as pas récupéré le loot, patiente. Ouais, je te fous les deux cochons dans les oreilles, tu vas kiffer. Alors, je leur donne une banane comme ça, ils ferment leur tronche. Bah du coup on va aller à l'avant-poste le plus proche, hein, c'est sûr. Ce coup-ci c'est certain, il n'y a pas de... plein ouest, monsieur. Ah, mais là il y a une cage de vide, là. Plein ouest. Ah, non, comme ça il y a une cage de vide, il n'y a pas de cage de vide. Plein ouest, monsieur. Ouest. Plein ouest. Ouest. Ouais. West Coast, t'as vu. West. Aïe. West. Inverse de est. Attends, le vent il vient de face, là, ou quoi? Ouest. Ah ouais, il vient de face. Okay. Il sera bien, on sera bon. D'accord. C'est l'île qu'on voit là sur notre droite ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Là où il y a un bateau qui va. Donc si tu veux, on va ailleurs. Parce qu'on changerait pas de plan. Ouais, on va changer de plan. Continue à tourner. On va prendre le vent. Je vais aller en bas. Mode pivote, je vais nous trouver un autre poste. Plein d'est. Ouais. Demi-tour en fait. Ouais, demi-tour. On a l'avant-poste Galleon Grave. Ce qui est une bonne chose aussi, puisqu'on voit un peu mieux quand même dessus. Allez. Je vais essayer de te mettre la voile. Ah, t'as tout rangé. Ah oui, pour pivoter. Hop. Voilà, c'est le truc droit devant normalement. Peur de ma part. Non, ça c'est bon, c'est déployé. C'est l'autre qu'il me faut. Non, mais c'est l'autre qu'il me faut. Lol. Bras devant, du coup, non, c'est ça. Ouais, c'est ça, avec le bon vent de face de ses... Oh, les bons vents de face de ses morts. Ouais, toujours. Oh, on va juste essayer de guetter. Est-ce que je peux dire que ma vie c'est de la merde ou tu vas m'en vouloir personnellement? Bah, je suis assez prêt, hein, avec toi. On courbe un peu la voile. Bah, fermez-la, les cochons, hein. Non, moi je vous bute, hein. T'as rien à foutre, ce jambon. Tu lui donnes une banane et il ferme sa gueule. Je vous crève et je vous poche dans un petit bouillon de légumes, c'est pareil. Mais parle bien du ralouf comme ça, toi. Tu es méchant. C'est comme ça que je traite bien les cochons, moi, dans les cuisines. Hein. Waouh. Waouh. Ah, c'est bien. Bah, on y arrivera dans 24 heures, c'est intéressant. Ah, oh, ça me laisse le temps de faire un café, ça. Exactement, et moi ça me laisse le temps de boire ma dernière goutte de café bien réfrigérée. Hein. Nice. Mon petit ice coffee encore avec de la mousse dessus, franchement, c'est toujours meilleur que du thé chaud. Pourquoi pas? Rien de plus dégueulasse que le thé. Même les tisanes, c'est meilleur. Même le gingembre à croquer sous la dent, c'est meilleur. Le truc trop vénère. Allez hop, ouais, ça va, hein, une ça petite fait. Bouchée de gingembre. À te croquer dans un gingembre comme ça. Ah, ça me choque pas, ouais. Ouais, non, je le fais. Hein. Pas de problème. Ah ouais, ouais, c'est mais enfin... Le monde, ouais, hein, non, mais c'est ça, ça, c'est par rapport à un thé, je pense que tu préfères boire un thé, je crois. Enfin, je sais pas, mais ouais. Moi, perso... Ouais. Là, je crois quand même que c'est un peu chaud, quoi. Ouais, par exemple, si on dit de l'ail cru ou du gingembre, tu fais quoi? Ah bah, de l'ail, moi. Sérieux? Ah ouais. Moi, je prends le gingembre. Moi j'adore l'ail en fait. Ouais, mais là à ce point là, de le manger cru comme ça. Bah là, ça repousse les vampires, c'est génial. Même l'oignon cru, tout ça, moi j'adore. Bon, en même temps, je suis quelqu'un qui aime le cru. Chaud. Mais le truc, c'est vraiment le gingembre. C'est quand même badass quoi. Peut-être aller un peu plus sur la droite, Captain. La droite? Ouais, ça a l'air d'être le bon quai à droite. Ok. Ok. Ah. Ok, le bon quai. Ok. 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 Ah. Ok. Ok. Ouais, en effet, là, je me TP un peu.
Calme-toi, calme-toi, petit bonhomme, calme-toi. C'est parce qu'il y a des mecs dans les parages, c'est ça? Comme dans PUBG. Ah, je crois qu'en fait, je vais me faire déco, je crois. Ah non? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Ne m'abandonne pas. Pour moi, t'étais en train de te bugger avec la poulie, ouais. Non, mais tu sais, chez moi, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, hein, donc on a perdu une connexion, c'est formidable. Hein. Les gens qui ouvrent des portes. Alors, j'ai une excuse, c'est la porte de garage qui se trouve entre la box et mon appart. Donc, vu que c'est forcément de la tôle, hein, bah là, d'un seul coup... Non, mais oui, voilà, c'est ça. Ah, d'un seul coup. Alors, t'essaies de nous faire une mise à quai propre, peut-être que je te rentre un petit peu de voile comme ça, là. Bah, jette. Tu peux jeter l'encre, hein, je pense. D'accord, hein. Bah... Tant que ça tombe. Ouais. Bien droite la barre, sinon on va se bouffer le mur. Bien droite, pas à droite. Allez, vendre tout de suite les cochons avant qu'ils crèvent, parce que j'en ai marre de les nourrir, là, c'est bon. Ouais, et puis même les voir, ça me saoule, là. Ouais, c'est ce que je dis à peu près à chaque fois que je vois ta tête. Ouais, les mecs, ils me retournent là parce que je parle mal. Mais moi, je sais sauter sur... Bon, après, je t'aime bien, hein. Mais t'es trop fort. Il est trop fort. Constatez-le, mesdames et messieurs. PGM. Le grand, le fort. Voilà, moi, j'ai pas touché l'eau. Tu vas faire. Ah, tu sais appuyer sur F, c'est ouf. Ouais, en sautant. Oh, le cochon à 36 balles, et franchement, ça valait le coup de se prendre la tronche avec les cochons. Non, on peut le faire en one shot. Ouais, tu peux le one shot, le move. Ça se fait. Ah, par contre, là, je sais pas pourquoi, il a pas voulu courir. Ah. Ouais, non, je passe pas en dessous, c'est mieux. Raccourci, quoi. Plus sécure. Ouais. Ah, on peut peut-être le faire aussi depuis la key, là. Oh, ouais, nice. Ça se fait depuis... Je dis la quille, mais en fait, depuis la proue. Ah, comment on appelle ça d'ailleurs, le bout de bois qui dépasse, je sais plus. Ça porte un nom. Comme tout dans la Navy porte un nom d'ailleurs. Bon, je vais vendre mon coffre de capitaine parce que c'est mon coffre. Mon coffre. Hus. On a même pas regardé s'il y a des gens accostés ici. Mais je crois pas. Je vois pas de bateau de l'autre côté. Ah, je glitch dans un... On dira oui. Exactement, on dira oui. Alors, c'est où les coffres déjà? Voilà. C'est la première tente que tu vas croiser. Alors ça, je sais plus ça se vend à un marchand ou à un mec de trésor. 427. C'est peut-être le marchand, ça. Un marchand qui rachète ça ou pas? Non. C'est donc le mec du trésor. Oui, oui, oui. Ça c'est vachement important parce que justement ça donne des petits succès là, les cruches, les machins, que tu récupères les petits objets en fait. Et bah donc le succès que tu déverrouilles dans le jeu te donne de l'influence auprès des marchands et tout quoi. D'accord. Près de la guilde en question. Donc comme si tu faisais des quêtes quoi. Donc, ok. C'est bien pratique. Ça aide bien. Cochon élaboré. Très... On fait des thunes, hein. On se fait du petit pognon, mais on se fait. 160. Ah, je suis monté à 30 000 quand même. Hein. Ça commence à devenir décent. Hein. 30 000 dans ce jeu, tu peux acheter une chaussette. Genre, c'est beau. Bon, oui, trouée. C'est, hein. C'est une chaussette trouée, fait à base de voile, usagée, voilà. Étachée. Mais voilà, t'as une chaussette, quoi. C'est quand même. Ouais, on a tout rendu, du coup. Ah, j'ai raté une marche. C'est intéressant. Juste à la fin, j'ai raté la marche. C'est quand même beau. Le dernier item, et c'est là où je me fais attaquer, le mec le vent. Au secours, au secours, au secours. Et voilà, c'est incroyable. Mais vrai. Hop. Je crois que c'est bon, il n'y a plus rien à vendre, non? On a un petit peu de boulet. Hein. Ouais, c'est bon. Boulet. T'as récupéré du matos? Bah, je posais ce que j'avais sur moi, et puis toujours. Ah, j'ai repris 5 planches, tu veux des planches et des bananes, il y en a par ici. Bonjour madame. Voir ce que tu vends. Chaussures. Tout coûte relativement cher. Ah, je peux acheter le drapeau à 2500 balles. Le drapeau du requin. Faites savoir aux autres républicains que vous pourchassez la terreur des mers. Les voiles noires, elles sont stylées.
Les voiles noires, elles sont stylées. Bah, ah oui, c'est noir, vrai que je peux acheter des voilures aussi. Ça coûte 7000. C'est pas trop cher. C'est le seul truc pas trop cher. C'est abordable. Mais bon, c'est pas celles qui sont intéressantes. Hein. Celles qui sont intéressantes, c'est d'acheter les vraies, quoi. C'est ça. La fonte qu'à l'échouer, par exemple. D'ailleurs, ils ont remplacé des voiles, non, j'ai l'impression. Voilà, il faut la voile du fond de cale, obligatoirement. Voilà, ça c'est indiscutable. C'est la voile de votre vie. Je vais acheter pour moi, vraiment pour plus tard, quand on fera la quête du requin, j'ai acheté le pavillon. Ça, si les gens qui ont une bonne distance d'affichage veulent voir si on fait la quête, bah, ils pourront voir. Voilà. Là, tu me l'as pas équipé, j'espère, connasse. Bravo, connasse. Ok. Eh ben, on va chercher le dernier crâne. Qu'est-ce que t'en penses? Groxolo. Je ne pense pas, moi. Ah, d'accord. Bon, bah, on va à Groxolo. Je t'informe. Je t'informe, Groxolo, c'est par là. Oh putain, on va s'emmerder. Ah oui, c'est vrai, à l'autre bout de la map et tout, là. Ouais. Je t'ai fait des Let's go petits ronds entre deux en mode étape. En mode différentes étapes. En deux mots. Et non pas d'étape en un seul mot. Voilà. Génial. Formidable. On est voilà. Bon, alors, la qualité graphique, c'est pas toujours ça. Hein. Putain, la gueule du logo sur le tonneau. Elle était pas là. Une direction? Sud. Sud. Sud et On part au sud. Sud-sud-ouest. Bonne mer. Oui, donc. Sud-sud-ouest, je te dis quand t'es bien calé. Quand t'es à peu près droit. Ouais. On va se faire chier, le vent est parfait. C'est cool. Sérieux? On a vraiment le vent dans le dos et tout? Non, le vent est bien de face, éclaté. Hein. Ah! Comme tu sais, hein. Ah, 4 jours pour traverser la map, formidable! Plein sud, hein? Sud-sud-ouest. Sud-ouest, ok, pas de soucis. Ah, on va pouvoir prendre un peu le vent du coup. Ouais, on va avoir un peu de zef. On va essayer de le prendre au maximum en espérant qu'il est bon. Vas-y, tourne encore. Tourne encore. Ouais, ça y va, ça y va tranquillement. Petite pouette. Talipalipapouette. Mais le vent il s'est aligné pour qu'on l'ait de face à nouveau. Mais hey, franchement, ma vie c'est de la merde. Là c'est bon, droit, tout droit. Yes. Mais ma vie est dégueulasse. Bon, on a un petit peu de zef. Je suis un peu dur avec le jeu, mais bon, faut dire notre vie est dégueulasse. Il y a une ligne devant, donc je vais passer sur la droite, comme ça on prendra un peu plus le vent. Il y a un crâne là-bas. Ah ouais, il y a un crâne là-bas. Il redressera après. Un événement de type crâne, les gens sont dessus évidemment. C'est bien. Les événements de type crâne, au moins des gens vont dessus et nous foutent la paix pendant ce temps-là. Ah, non, c'est voté pour annuler, donc ça m'intéresse pas. Ok. Un peu plus vers le sud, monsieur. Ouais, non, mais c'est normal. Ils sont sur quoi là? Ils sont sur. Parce qu'il est loin ce nuage. Il serait pas si loin que ça. Ils doivent être sur Sailor Stronghold, non? Non, ils étaient sur le côté. Peut-être par là. Plus au sud, monsieur. Plus au sud, monsieur, monsieur. Hein? Hein? Ouais, ça va. Là, faut quasiment que tu te mettes plein sud pour essayer de rattraper la trajectoire. Quasiment plein sud. Oui, mais ça va. Je vois où on va. Ah bon? Tu vois vraiment où on va? Ah ouais, je regarde par là. Okay. Je le montre du doigt actuellement.
Ah oui, non, d'accord, c'est plus bas. Ah, ah oui, ah, c'est juste une étape là en fait. Oh, hein. Mais ça. Je te dézoome la map, c'est des étapes en fait, c'est pour ça qu'il faut pas trop qu'on dévie. J'ai créé des étapes. Ouais, là tu vas trop au sud par exemple. Bah oui, c'est pour ça. Sud-sud-ouest. Il va au sud. Presque au sud, je t'ai dit. Presque au sud. Bien, qu'est-ce que dans presque au sud, tu n'as pas compris. Ah, il y a des mouettes droit devant nous, mec. Vas-y, on va arrêter de s'emmerder, visiblement. Ah, ouais, les jolies petites mouettes. Ah, c'est juste des tonneaux. Ah, les tonneaux de ces morts. Je vais plonger quand même, parce qu'il n'y a que ça qui m'occupe. Je prends un taxi, hein. Non, je prends un taxi, t'embête pas. Ah, toi aussi tu t'emmerdes. Officiel. T'as décidé qu'on ferait tous voyage en s'emmerdant. Comme jamais. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Hein. Bon, y a pas de banane là-dedans. C'est de la merde. La réponse est oui. J'arrive. Avant qu'un requin s'intéresse à mon boule. C'est bon. Allô. Voilà, merci le jeu. Allô. Merci le jeu. Hop. On a 10 obus de plus. Paf, 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 paf. Là, on a de quoi couler un navire ou deux. Cette île de ses morts. Ah ouais, pas à côté, là, tu s'emmerdes. C'est bon, on dévie sud-est là. Ah non, c'est bon, on est bon. J'ai regardé. Genre, on est parfait même, monsieur. On va droit dessus, quoi. Bravo, monsieur. Et félicitations. Pip, 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 pip et jambes de bois. Pip, 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 pip et jambes de bois. Bouge pas, tiens la mesure, hein. J'arrive. Je fais de ça. Putain, j'éclate trop, je me boue à la gueule. Et franchement, vu comment on s'est stuff, comment on a bossé sur ce move-là, moi je pense que on a mérité. Allez, on se bourre la gueule. Le fond était compliqué là. On va pas se mentir, le fond est un peu compliqué. Allez, bourré le mec. Acolyte mystique. Je dirais plutôt l'alcoolique mystique. Ah oui, c'est pas faux, hein. Ils sont trompés dans la lettre, le mec qui a écrit ça, il était bourré lui aussi. C'est ça. Ah, par contre, les faits bourrés, ils ont bien réussi dans le jeu. Hein. C'est dommage d'ailleurs que t'aies pas des quêtes à faire en étant bourré. J'en trouvais le sacro-saint onodrome, tu vois. Les mecs avaient pas trop de fun quand ils ont créé le jeu en fait. Ils ont dit ouais bon le fun oui mais pas trop. Ah oh, c'est fort. Eh si monsieur. Ça va d'ailleurs je suis content que j'ai pas vomi tant que ça. Attends ça a l'air de venir. Ça va monsieur? Pardon? Est-ce que ça va? On veut savoir. Pour un sondage? Les gens veulent savoir. Les chips.
compte sur vous, monsieur. Hein. Ça tangue un peu. Hein. Parce que pour moi, c'est compliqué, si tu veux. Hein. Le mât commence à être dans le sens du canon. Il y a un problème pour moi. Hein. Je t'explique. Je crois que... voilà. Hein ? On va pas là ? Pourquoi tu veux qu'on aille là ? Ah, c'est pas là ? Non, non, c'est encore une étape. Hop, c'est en dessous. C'est la prochaine. C'est le prochain point. C'est Crook Solo. Moi, j'étais en train de manœuvrer et tout. J'étais chaud. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, je l'ai senti, ouais. C'était pas mal, hein. Franchement, l'idée était bonne. Il y avait un bon concept. C'était pas mal. Après, ce qu'on peut faire, c'est toujours jeter un oeil s'il y avait une merde là-dessus. Mais vu la taille de la banquette, là... La banquette de ça. Merde, je la connais. Oh lui, l'instrument de ouf. J'ai trop kiffé, genre, mon perso c'est trop un clodo, mais il a un super instrument de musique. Ah, il est bing bing. T'as kiffé. C'est la règle. T'as dû payer cher. Bah non, bah tous les instruments coûtent le même prix, donc... Ah bon? J'ai même pas regardé, tu vois. Ouais. Danser. Là, le droit devant, c'est... on est arrivé. Enfin, ah wow, moi je dansais là, je te faisais plaisir et tout. J'étais dans le move, tu vois. J'étais in the move. In the move. Pouette. Un capitaine là-dessus. Il a intérêt de payer, le con. Mais la cloche, ça marche plus chez moi. C'est un délire. Tu me dis... Iceberg, droit devant. Tu tâteras la cloche dès que t'as un moment, tu me diras si toi aussi elle bug. Wow, toi tu m'as entendu faire ding ding quand j'ai cliqué dessus, mais... Ouais, je t'ai entendu. Ouais. Ah ouais, donc c'est juste chez moi en fait, je sais pas. Ah c'est... oui, ouais. On va toucher. Ouais, tout est bugué chez moi à cause de Nvidia. On va toucher. Oupi, merci Nvidia. Espèce de pute. Mange-moi. Tu peux venir à l'encre, j'ai peur. Oui, j'arrive. J'ai l'impression de me rapprocher trop vite. Non. Et je crois que c'est pas qu'une impression, je suis pas trop sûr. Non, non, ça a l'air d'aller. Après bon, moi tu sais, je suis dans un monde parallèle, donc ça se trouve que t'as déjà traversé l'île de part en part. Ah, va savoir. On est pas mal. Tu veux que je remonte un peu la voie là? Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là de toute manière, non? Près des rochers, là, on est bien. Si on tape pas, là tu peux jeter, je pense. Ouais, jette. Adresse la barre, n'oublie pas, sinon ça va tourner d'un coup sec. Ouais. Ah, je crois que j'ai touché, en fait. Oh, bah c'est l'histoire d'une planche. Plus rien. Putain, bah, pareil, je vois que dalle sur cette île de ces morts là. Oh, j'ai pas de planche. Secours, faut que je recharge les planches, c'est chaud là. Bah recharge les planches, hein, et puis c'est chaud. Je me dis de plus. Je ne sais pas, soutien moral. Ah. Oui, t'as tout mon soutien moral. Trois serpents, là. Et ça sent le mauvais prank, hein. Lâchez-moi. Cassez-vous. L'eau s'évapore dans le jeu, ok. Des crânes, toujours, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, un capitaine. Ah, vas-y, on va repartir avec 12 000 loot encore. Ouais, y'a qu'un capitaine, normalement. Il fait nuit. Ah, d'ailleurs, je suis assez étonné de pas avoir déjà trouvé du loot, tu vois. Ah, je trouve bien sûr l'éternel baril que tu ne peux jamais récupérer, évidemment. Parce que ça c'est un classique, hein, j'ai envie de dire. Oh non! Par contre, de nuit, là, je suis pas chaud, moi. De nuit, je vois que dalle, là... Il va plus la Ragnarfang, ça me casse les couilles. De quoi, t'as trouvé une cage à cochon? Non. Cage à poulet? Non plus. Cage à serpent? Rien, du tout, j'ai rien trouvé. Vito. En plus, je vais voir de cette île, je m'en souviens. Oh, je t'ai trouvé! Il a une cage à cochon! Pardon? Non. Je suis derrière. Non, je te vois, je suis juste derrière. Non. Il a une cage à cochon. Le mec, elle est trop inspirée, mais esquivée. Je suis apparu nulle part. Ah, je te vois. Par contre, je crois pas qu'il y ait des cochons sur cette île. Je crois qu'il y a que des poulets des poules, et des serpents. Bon, après, je me suis pas encore dans je crois qu'il y a que ça. Je suis en train de faire les côtes, moi. J'ai vu qu'il y a une cascade là-bas, voilà. C'est ça. Ça m'intéresse. J'ai un peu de musique. J'ai un peu de musique d'ambiance. Est-ce que je m'approcherai du dit problème? Je peux pas passer mes poulettes. On voit rien dans ce jeu, c'est quoi ce délire? Ah bah c'est ça là, l'opiate, hein.
des poules, évidemment. Ok, je vous fume. Oh, il y avait déjà vous les bâtards. Je crois qu'ils ont descendu la luminosité, les mecs. Hein. Après, j'ai activé une option sur mon écran il n'y a pas longtemps. Et du coup, ça rend un peu plus sombre les jeux. Mais je te rassure, il est très sombre. Hein. Là, moi, je vois pas dans les cavernes. Là, je vois pas si j'ai pas la lampe. Hein. D'accord. Donc, je pense qu'on est sur le même pied d'égalité. Donc, ouais, j'ai bien la musique juste là. Donc, faut monter. C'est parti, je monte. Ouais, ah, il y a des mouettes là, droit devant. Pourquoi il y a des champignons Il y aura une épave bleue. Je pense qu'ils ont rajouté justement pour ajouter la luminosité. Ouais, c'est là où je suis. Ah. Faut que je monte à 8 points, ok. Bah c'était à peu près là où t'avais ta cage à cochon. Ouh. Par contre ils m'ont OS hein. Ah ils m'ont fumé. Ils m'ont fumé comme si j'étais un lapin de Garenne, c'est n'importe quoi. Oh là là, je suis total perdu. Au secours. Ah c'est con. Ah, et j'étais avec un mec qui s'appelait Cryogénique. Cryogénique. Ouais, on dirait un nom de DJ Artek, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait un DJ Artek. Aïe. Alors prends de la hauteur. Okay. Prends de la hauteur. Et ce, même sans ascenseur okay. Ou des escalators. Ouais, y'a des gens, ils sont gradés de trucs anciens de l'ordre de ma fesse gauche. J'ai peur. Wow. Y'en a genre, ils ont trop poncé le game. Ah, ça y est, je suis sur le battle. C'est parti. Alors, je t'explique, à moins qu'il y ait un troisième chapitre, sinon, c'est-à-dire encore et encore du squelette, parce qu'on est toujours dans la même quête, hein. Là, depuis, voilà, non mais c'est pour les gens, j'annonce, en fait, on est toujours dans la même quête de là où on se prenait la tronche avec encore un milliard de capitaines. Bon, bah c'est toujours la même quête, et puis, voilà, si à moins qu'il y ait un autre chapitre, et dans ces cas-là, je veux bien prendre la cage à cochon, sinon, je m'en bats les couilles, j'annonce. Oui, c'est moi qui viens de dire ça. Je sais, tu es choqué. Je sais, ouais. Je suis... C'est voilà. Bon, tu t'en sors, t'es bugué ou quoi? Non, je cherchais un raccourci, mais non. Faux. Et là, tu verras, droit devant toi, il y a... T'as vu, il y a des mouettes. Là, droit devant nous. Donc, il y aura une épave là-bas. Oh le bâtard! Mais sérieux, j'avais déjà plus de vie! Incroyable! Ils font du dégât, il est où? Il est là. Ils font du dégât. Je suis déjà midlife. Hein. Deux balles, midlife. Ça picote, hein, j'avoue. Pierre, j'aime pas trop, j'avoue, on se bat. Il y a de la verdure et de la verdure. Ah! Dis-moi qu'il fait jour. Oui, il fait jour. Considéré comme il fait jour. Ah non, ils sont invisibles! Oh les bâtards! Oh les petits bâtards en fait, non, ils sont invisibles. Faux. Ouais, mais pas encore. Donc faut les éclairer un peu. Là, je crois que c'est bon. Je crois que là, ça y est, fait jour officiel. T'es où, gros bâtard? Et ici, enfant de salaud! Mais te barre pas! Enfant de salaud. Oula! Eh, c'est pas la prank qui se lava là, on se calme les enfants. Ouf! Ah, j'ai raté la marche. C'est moche. Pause. Pause, jambes cassées. Merci de repasser. Tout ça. Bon, allez, on y retourne. Pou, 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 pou.
Tout ça pour un capitaine, hein, c'est ça. Hein. Mmh. Ouais, c'est ça. Je trouve même pas l'endroit. Quoi. De quoi ? Je trouve pas l'endroit. Ah, tu retrouves pas l'endroit ? Ah, si, c'est... Ah, ça c'est embêtant, c'est... monsieur. Oh, je suis dessus. Ok, on va tenter. Ouais, ça. Ok. C'est bon, t'as entendu les coups de feu? Putain de merde, j'ai encore raté la marche. T'es où? C'est pas ce qu'il fout. Sinon, on prend le bateau, il fait le tour. Hein. Parce que là, je pense que j'ai quasi fini la vague. Je crois que la prochaine vague, ce sera celle du capitaine. Là, je vois un pirate. Ouais, c'est bon, j'ai eu le capitaine, on peut se barrer. C'est bon, c'est fini. Voyage terminé, nice. Ouais, c'est bon, on rentre au Berk. Tu as encore dessus, c'est quoi? Oh bah qu'il s'amuse, hein. Tout ça pour un crâne, hein. Heureusement qu'il n'est pas sur le chemin. J'espère qu'elle est pleine. Hein. J'espère vraiment qu'elle est pleine. Parce que pour le coup, au niveau loot, j'ai rien croisé, bah alors, hein. Ah ouais, que dalle. Bon, après, j'ai pas cherché en hauteur ni rien, mais j'avoue, je m'en fous un peu. Non, mais j'ai regardé un peu partout. Pas mal tourné. Allô? Merci. Non mais laisse la cage. Hein. En vrai on s'en bat les couilles. Hein. Là on va les vendre direct. Hein. Je vais laisser ça dans l'eau. Hein. Allez, un bon petit vent de face des familles. On va là sur les mouettes qui sont légèrement à notre droite. Là il y a de la mouette. Est-ce que toi avec ta distance d'affichage tu peux me dire si dessous il y a une épave ou si c'est des tonneaux là? C'est des tonneaux, donc y a rien. Allez, on s'en fout. Ah. Non, il y a une épave, là. Là, il n'y a pas de tonneau. Non, il y a une épave. Il y a une épave. À droite. À droite, toute. À droite, toute. Ouais, pardon. Il connaît pas sa droite. C'est fermé. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Waouh. T'es focus à gauche, je crois. Mais je vois pas les... À droite, toute. Ah, oui, voilà. C'est vraiment... Yes. Il y en a, il y a deux fois, en plus il y en a deux fois, il y en a pour indiquer des tonneaux et il y en a pour indiquer l'épave. Voilà, là c'est tout droit monsieur. Enfin tu redresses et ça devrait être bon. Ça même a l'air presque parfait. Encore légèrement sur la droite. Et après, par contre faut que j'inverse les voiles sinon on n'aura jamais de Zef. Tu l'as passé là? Ah non. Non, c'est bon. Je pense que tu peux jeter l'encre. Hein. Zach, bonne pioche! L'épave du Blessing of Athena, bien sûr. Évidemment. Oui, boys, oui. Ah, j'ai déjà trouvé un coffre. Bah, tu l'as trouvé aussi, très bien. Je vais te barrer avec. Je vais chercher autre chose. Je crois que j'ai plus de bananes, c'est ça? Ouais, j'ai plus de bananes, je vais en prendre. Voilà, nickel. Un petit crâne. Infâme. Un crâne doré, mais pas explosé. Ceux qui valent trop cher sont ceux qui sont explosés.
ça. Et celui-là devrait déjà bien valoir ses 700 boules. Pourquoi je vois pas le bateau à chaque fois? Ah, parce qu'on est vraiment juste là, quoi. Genre GG. Hop là. Ah non, c'est même pas un crâne doré. Putain, en plus j'ai dit de la merde. Voilà. Je suis un mec, je dis de la merde. Voilà, c'est génial. Moi, je crois qu'on a tout pris. Pourquoi il veut pas accélère, quoi, merde, tout le temps, quoi. Ne freine jamais, mec. L'île cochée sur la map, c'est là où on va ? Je sais pas, qu'est-ce qui est coché sur la map, tu peux dire ? Verbalement. Crocs Hollow. Non, c'est fini, c'est de là où on vient. C'était c'est les capitaines. Non, maintenant là, faut qu'on trouve juste un avant-poste, on a bouclé. On a bouclé le taf. Et après, le Knarfang, il va aller manger. Parce que le Knarfang, il a faim. Mais on est pas mal. On est pas dingue en stuff, mais bon, on a un peu quoi. 3, 2 crânes, un coffre. Ça va, ça va. Disons qu'heureusement qu'on a croisé le. Heureusement qu'on a croisé la. L'épave, hein, parce que là sinon ça aurait été moche. Et sur le bateau? Ouais, tout à fait, monsieur. Attends, avoir le vent dans le dos. On va avoir le vent dans le dos. Oh là là, on va tellement vite. La charge des Valkyries est à thème. Faut descendre un peu plus de voile par contre, je crois. Faut mettre sous le vent. Voilà. Et là, on a glissé sous le vent. Ah, la musique de la dépression, c'est parti. Ah, yes. Tu es triste. Parce que tu es sobre. Là, il y avait une autre cage à cochon. Ou à poulet. Ça ressemble à une cage à poulet. Mais ça n'est peut-être pas entièrement chargé. Et là, il y a des poulets. Dont un doré, un blanc, et soit deux colorés, soit des noirs. Je vois pas trop. Mais plus sous le vent, monsieur. Ça. C'est beau. Wow.
gosse. Beau gosse. Passé à 1 mètre du caillou. GG. On va là, droit devant ? Ouais. Il y a une plage à droite. On va frotter. Non. Non, on ne frotte pas. C'est bon. Ouais, c'est énervé. Ouais, c'est très bien comme fin. On n'attendra pas le petit truc en plus. Enfin, très bien. Crâne. Paf, allez, crâne. C'est encore une des rares fois où je vais aller vendre alors que... que c'est une des rares fois où je vais vendre sans avoir à vendre de comment ça, cela s'appelle-t-il ? De baril de poudre. C'est rare les fois où je vais vendre sans baril de poudre. Hein. Faut les compter. Hein. 640 le crâne. Enfin, quasiment 650. Coffre, c'était la tente plantée au milieu devant toi. Hein. C'était la tente la plus proche du... Je l'ai pas eu. Ouais. Pas de soucis. Alors ce crâne a rapporté un peu, ce crâne a rapporté un peu. Tita tita tita. Attends, on avait rien là pour le coup. On avait... Bah ouais non c'est ça, hein. Bah en même temps... C'était peut-être temps que ça se calme un peu parce que c'était un peu le bordel, hein. c'était un peu bling bling compagnie. Hein. Parce que en réalité, si tu prends notre seule quête, c'est-à-dire vu qu'on a trouvé la bouteille sur une île de quête, si tu prends tout ce qu'on avait là à vendre, je pense que c'était une quête rentable. Je pense que cette quête était très rentable. Hein. On a fait combien là? On s'est fait 4 crânes de la bouteille. 4 crânes, 2 capitaines encore, et encore un autre, on est à 7 capitaines, on est à 7 crânes de vendus, plus le crâne qu'on a, enfin les 2 crânes qu'on a trouvés dans les épaves, 9 crânes, 3 coffres, enfin voilà, bon c'était un film de boules. Au moins autant de barils de poudre. Ah oui, c'est vrai qu'il était peut-être temps que je change d'arme pour arrêter d'avoir juste des armes de clodo. Pareil, est-ce que je me mets genre des armes de riches? Genre, parce que je suis un mec riche en fait. Ah oui, mais c'est vrai que ça coûte cher pour rien les flingues. Oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Ah ouais, ça m'intéresse pas, non. Ouais, je sais pas. Je trouve pas ça fou, quoi. Ouais. Ah ouais, genre, je me prends le fusil de sniper de mec trop riche. Mais je me prends le pistolet tout pérave. Ça, c'est un deal. Sabre de fond de cale bien pourri. Je l'ai pas déjà. Non, j'ai toujours le sabre de base. C'est possible. Par contre, ils ont enlevé des sabres. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi ils ont viré des sabres? Ah. Stay sharp. Il est où le stuff de... Je suis au gîte ou quoi? Non mais ça tourne mal ou quoi? Oh, bah je vois que le matos de fond de cale et de noble dans mon cas.
Et je vois plus le matos de loup de mer. Alors, j'ai droit au baron, j'ai droit au baron impérial, mais le loup de mer. Le loup de mer a disparu. Non mais la grosse blague quoi. Le loup de mer a disparu et le marchand et le staff marchand ont dégagé tous les deux. Ce que je comprends pas en fait. Ah mais tu peux pas l'acheter directement au marchand ce stuff-là? Mais si normalement je peux l'acheter. Mais là Ouais mais il est même au plus marchand. proposé. Oui mais il m'est même plus proposé. Ouais Comprends mais je veux faut dire. payer au marchand pour l'acheter. Je suis en train de voir. C'est un marchand le mec, on est d'accord, hein, c'est. Oui Voilà. non mais les... Tu parles du stuff que tu débloques quand tu fais des missions marchands et compagnie? Non, 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 je parle de. Ah. Genre. Fusil, il y a quatre fusils en gros, hein. Il y a fond de cale, donc qui est accessible à tous, normalement, enfin tout est accessible à tous. Il y a le style baron, il y a le style loup de mer, et il y a le style marchand, amiral. Et j'ai même plus, genre, bah, ma contrebasse là que j'ai en loup de mer, là, que j'ai sur moi, là, actuellement, avec laquelle je suis en train de jouer, elle est même plus disponible, genre je peux plus la voir. Est-ce que c'est parce que maintenant faut vraiment aller voir les marchands eux-mêmes? Genre faut que j'aille voir le marchand et c'est le marchand qui vend du stuff de marchand? Hello, dearie. Trop dangereux d'aller boire un verre dans ce Rien du cafetine. tout. Take Rien du care, dear. tout. Rien du tout. Oui, il faut monter 15 échelles, ouais. Rien du tout, madame. Arrêtez de vous foutre de moi, madame. J'aime pas ça, madame. J'aime pas la façon dont vous me regardez, madame. Voilà, je vous le dis. Ouais, il y a encore du boulot, hein. Je crois qu'on peut voir plus de détails, c'est ça, ouais. Ah, livrer des caisses de bananes, ouais, c'est chiant, hein. Oh, c'est très chiant. Et des poules à temps, ah, oh, putain, il faut que tu voulais. C'est infâme. Ouais, c'est plus simple, ça, déjà. Ah, c'est déjà beaucoup plus accessible. Ah, par contre, je crois que je viens de passer mon level 20 avec les mystiques, donc je crois que j'ai le droit de lui acheter mon galon à la miss, là. Attends, faut. Bonjour How madame. nice to see you. Rends-moi ton galon. Ah non, c'est le level 25? Bah c'est bon. Have a Je sais safe déjà. voyage, friend. C'était quoi alors le dernier que j'ai débloqué là? C'est quoi c'était celui-là? Il est 200 squelettes de capitaine? Non, pas encore. 200 squelettes. Lol. Farming Simulator. Rapporter 70 crânes à l'ordre des âmes. Ouais, c'est pas encore le cas. Ouais. Rapporter 20 crânes abjects à l'ordre des âmes. Ah, il m'en manque juste un. Je le débloque. Ah, ici aussi, plus qu'un. Oh, c'est rigolo ça. C'est très rigolo. Éliminer 20 équipages de squelettes. Qu'est-ce que t'appelles équipage de squelettes? Est-ce que ce serait pas les forteresses man? Parce que j'en ai très peu visiblement. J'en ai débloqué très peu. Ouais. C'est possible. Bref, je comprends pas pourquoi du coup bah, mon stuff loup de mer n'est plus accessible. Comment ça se fait? Enfin, n'est plus visible, n'existe pas, s'il n'existe pas quoi. Genre j'ai tout, j'ai le fond de cale miteux, le fond de cale échoué, j'ai une partie du stuff royal qui est verrouillée, j'ai le baron, j'ai l'impérial. Rien de l'amiral, j'ai rien de l'amiral et j'ai rien du loup de mer. Pourquoi? Surtout que si c'est des questions de galons de guilde, j'ai les mêmes galons partout, donc je vois pas pourquoi j'ai particulièrement celui de l'ordre mystique. Ah, est-ce que... suis en train d'y penser, je suis un génie. Je suis un génie, c'est où les fringues? Les fringues, les fringues... C'est où les fringues dans ce bordel? Ça c'est les armes, ça c'est rien du tout. Toi, c'est que les instruments et compagnie, normalement. Il fait pas les tenues. Non, c'est ça, il fait pas les tenues. C'est où les tenues? C'est là. C'est là. Est-ce que c'est parce que... Alors, déjà, je vais confirmer auprès de toi. Hop, 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 hop. Monsieur, s'il vous plaît. Who are you exactly? Je vais voir ce que tu vends. Le, ouais, donc tu vends des barbes et des machins. Du fond de cale. Du baron du machin. Baron majestueux si tu veux, ouais. Ouais, un peu plus de matos qu'avant, à première vue. À première vue.
Ah, est-ce que bah, du coup j'ai. Nice. Ouais, ils sont stylés ces bandages là. Ces petits bandages là, putrides, échoués. Ah, c'est pas mal. Gros swag. Ouais, ils ont rajouté un peu de matos. Oh, un nouveau chapeau! Oh! Ça, c'est un grand chapeau. Hein, avec une grande plume dessus. Vachement intéressant. Là où je suis en train de me dire, c'est est-ce que c'est parce que je porte un grade? Genre. Non, ça, c'est un pantalon, on s'en fout. Grade. Le grade que je porte. 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 C'est pas celui-là. Ça. Ah ouais, c'est ça. Paf. C'est quoi ça? Nécessaire de tatouage. Ah, ça y est, on peut enfin choisir nos tatouages. Lol, c'est rigolo. C'est des cicatrices. J'ai pas le droit d'avoir des cicatrices pour l'instant. Pour avoir vu, je suis pas assez grand. Donc je pense que c'est à cause du grade que je porte. Genre, si je prends. Ça c'est les marchands. Si je prends le plus haut grade là-dedans, je sais même plus c'est quoi. Ah, c'est ça, c'est le convoyeur d'or. Si je prends Golden Man. D'ailleurs, je devrais avoir 4 grades pareils chez les autres, non? Moi je les ai pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est moi qui ai trop fumé. Magnifique. Là maintenant, si je viens te voir, espèce de Clodoman. Non mais. Non mais. Eh hey, Clodoman. Hello. Attends, je peux pas lui parler parce que tu lui parles, c'est ça? Si, non, c'est bon. C'est juste lui qui était un peu bugué. Ah, c'est le jeu qui était un petit peu bugué. Est-ce que là, on me propose. Fond de cale. Baron. Baron. Non. Alors ça, c'est une étrangeté que je ne m'explique pas. Si les gens savent, je veux savoir. Et ils ont toujours pas rajouté l'option de devenir roux dans ce jeu. Bande de cons. Jeu de cons. Je fais par des cons pour des cons. C'est ce que j'ai à dire. Ce jeu, c'est de la merde. Fini avec le cul. Il est nul. Je vais arrêter d'y jouer. Jusqu'à que j'ai mangé. Bon, Bob, tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir.